Schau durch den Mond, ein bisschen zu. Und keiner kann sie stören, das haben die zwei so gern, das saubere Windel und der Fische Pöhl. Retour dans un milieu rural pour ce 9e épisode. Salut à tous et bienvenue dans ce 9e épisode sur Geocaching. Aujourd'hui, on va faire une cache dont on risque d'être autant satisfait que notre trouvaille précédente, puisqu'il s'agit de la même personne qui a posé le faux nichoir à oiseaux. Allez, on va dire ça comme ça. Je suis juste... La cache est juste là-bas. Voilà, donc si elle est derrière moi, moi je suis juste devant, ce qui est totalement logique. Et donc, on va y aller tout de suite. Je profite d'être seul pour faire cette vidéo parce que là, il y a une piste cyclable. Je suis absolument seul, donc il fait super froid. C'est cool parce que dès que la température baisse un petit peu, tous les gens sont chez eux, tu vois, ils se calfeutrent tous. Bande de frileux! Il y a beaucoup d'oiseaux par là. Je pense qu'on peut les entendre. Ah oui, sur là-bas, il y en a deux qui se battent. Donc j'y suis, mais par contre, alors là, niveau visibilité, c'est assez moyen, parce que je ne vois rien, je vois que des branches d'arbres partout. Bon, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un nichoir à oiseaux. Certains commentaires disaient que la planque était ingénieuse, et que le système était pas mal. Alors qu'est-ce qu'on va encore avoir? Est-ce qu'on va encore avoir une épreuve à la Fort Boyard, digne du nom, ou plus une épreuve à la Koh-Lanta? On va faire toutes les émissions hein, si ça continue. Ok, bah alors du coup cherchons. La cache, elle peut être... Où est-ce qu'il y a peut-être, putain? Ah, je sais! Première règle d'or du geocaching, en milieu rural, il faut chercher des traces. Il faut chercher des traces. Il faut chercher là où les gens ont... Tiens, regarde, il y a des tuiles, là. Il y a un truc là-dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Il y a une maison enterrée. Oh non! Non, est-ce qu'elle serait là-dessous? Regardez, vous voyez là, il y a des feuilles aplaties. Ça veut dire qu'il y a soit un animal de la taille d'un éléphant qui a squatté ici pendant plusieurs nuits, soit c'est des gens qui sont passés par là. La planque est ingénieuse, le système est pratique. Ça disait. Non, mais... Des fausses briques? Non. Non, non, ça c'est des vraies briques. Par contre, j'ai tout cassé. Mince. Ah, est-ce qu'elle serait dans la brique? Ah non, il n'y a que des feuilles, non, c'est pas beau. Non, c'est pas beau à voir. Par contre, je me fais agresser par les ronces. Non, il n'y a rien là-dedans. Ah! Je pense que ça aurait été trop facile. Il suffit que je passe une fois et c'est bon quoi. Tout est cassé, tout est vandalisé. Mince! Où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle serait près du grillage ici? Un faux pilier en bois peut-être? Non? C'est à ce moment-là qu'il faut bien ouvrir les yeux parce que pas qu'elle soit là-dessous. De toute façon, là il y a un grillage, il y a des grosses lierres, puis il y a un grillage. Oh là là! Eh, regardez, il y a un truc à l'arbre là. Juste là. Non, attends. Là, il y a un truc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est l'arbre qui aurait froid? Donc du coup, l'arbre met des échasses. Des écharpes, oui. Non, mais là, j'allais encore dire des échardes. Alors. Ouais. Moi, je vois, sur ce bandeau noir, il y a des cordes. Ça m'a l'air un petit peu... Je sais pas ce que c'est. Attends, on va s'approcher. Tiens, regarde, attends. Ça se trouve, j'ai peut-être marché sur la cache et elle est complètement détruite.
Ça se trouve, c'était les briques. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc noir bizarre autour de l'arbre, je sais pas ce que c'est. C'est un peu caoutchouteux, mais un caoutchouc plutôt dur, rigide. Je sais pas ce que c'est. Je vais vous emmener, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais par contre, ce truc, c'est louche. Vous voyez là, il y a comme une sorte de câble, de ficelle. Et là, je viens de remarquer, à l'instant, qu'il y a une petite poulie là-bas. Vous voyez là? Qu'est-ce que c'est encore ce truc, purée? Attends, non, là, je peux pas passer. Ah, c'est la jungle! Purée, pourtant, on est quasiment en hiver. Ok, on y est. J'ai l'impression d'être un animal qui trouve refuge. Attends, voir. Là, il y a une poulie. Enfin, c'est pas vraiment une poulie. Putain, allez, c'est des câbles électriques. Ouais, mais non, attends, c'est branché à quoi, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde, le câble, il monte le haut de l'arbre. Putain, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Faut tirer, non? Faut pas tirer. Mince. Qu'est-ce que c'est que ce... Le câble monte tout en haut de l'arbre. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Ok, alors là, je suis complètement de l'autre côté de l'arbre. On voit... je vois rien du tout. Je vois rien. Il y a un truc, il y a une sorte d'arceau suspect autour de l'arbre, avec un câble et une poulie qui pendouille. Mais vraiment... Il y a vraiment rien de... Ok, alors... J'ai un peu cherché en solo pendant 15 bonnes minutes. Et d'après ce que j'ai constaté, on a peut-être cherché à côté. C'est-à-dire que là-bas, il y a mon vélo. Et ici, on est. Donc je pense qu'on s'est un peu gouré, j'ai l'impression. De toute façon, le plan il indiquait ici, cette fois-ci je suis passé par une application sur mobile pour vérifier le système du GPS. Ça indiquait ici, voilà. Donc à mon avis, je pense que c'est là et effectivement il doit y avoir un système quelconque. Les commentaires disaient « Ah, c'est super, très bien le système, machin et tout », donc je pense qu'on va avoir une épreuve à la Fort Boyard, mais déjà trouver ce système, ce serait déjà bien, quoi. Regardez, vous voyez là-bas ce que c'est? Moi je vois, mais j'ai pas l'impression que ce soit lié à ce qu'on cherche. Après une demi-heure, parce que j'en peux plus, j'ai des larmes qui arrivent, mes larmes sont en train de geler, tu vois. J'ai arrêté les recherches. Il peut être possible que la cache ait disparu. Tu vois, ça c'est l'excuse facile, tu vois, le truc a disparu, je peux pas trouver, c'est de ta faute. Non, il soit possible que la cache ait disparu pour X raison. C'est aussi possible que je n'ai pas suffisamment bien regardé. J'ai trouvé un câble, ça parlait d'un système, c'était peut-être ça. Mais je ne sais pas comment ce système fonctionne, donc peut-être qu'il fallait tirer, peut-être qu'il fallait faire autre chose, je sais pas. Mais en tout cas, là, le soir commence à tomber. J'ai passé une bonne partie de la journée dehors, tu vois, je suis en train de postillonner. Je sens plus rien. J'ai froid, tu comprends, j'ai froid. J'arrive même plus à parler correctement, quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, je ne vais pas abandonner pour cette cache. Je vais aller contacter le poseur et peut-être tenter d'obtenir un indice supplémentaire parce que, au vu de certains commentaires, certaines personnes ont l'air de trouver la cache très facilement. Moi, pendant que je cherchais en solo, donc ce que vous n'avez pas vu, je me suis fait littéralement
agressé par les arbres. Voilà, je me prenais des branches dans la tronche, voilà, no respect for Beeper, c'est les arbres qui gagnent. Donc ce qu'on va faire, je vais vous laisser là, cette cache, je n'abandonnerai pas. Ok, de retour sur les lieux, enfin de retour pour moi, hein, vous savez, ça s'est passé en un éclair. Deuxième jour d'expédition, alors j'ai pu contacter le propriétaire de cette cache, de ce qu'on cherche. Et en fait, on cherchait pas du tout du bon côté. Non, il n'y a personne derrière, j'ai cru voir quelqu'un dans... En fait, on cherchait pas du bon côté. Nous, on cherchait derrière. Derrière tous ces arbres, derrière ces buissons. Et en fait, ah oui, alors du coup, oui, il y avait une grosse tranchée là-bas. Non, faut pas s'y fier. Et en fait, il y avait un panneau ici. Et le truc... Alors ici, on peut se dire, oh, tout est normal. Hein. Un losange qui indique le chemin. Un truc de réflexion pour... Ah, pour l'apercevoir dans la nuit, quoi, les vélos qui passent. Ouais, bon, par contre, faut penser à le replanter, hein, les enfants. Hein. Voilà. Il a tellement été déplanté. Et en fait, alors, si j'ai bien compris le message du propriétaire, il ne m'a pas donné la solution, mais c'était presque ça. Bah, en fait. Voilà. Un faux réflecteur de lumière ou voilà avec la cache, oula, avec la cache juste ici. Du coup bah c'est parti, décortiquage, hein, j'ai envie de dire. J'ai déjà vu des j'ai déjà vu des caches comme ça. Ça c'est assez rigolo, mais par contre pour sortir le truc ça va être assez douillé. Attends voir, pas bouger. Alors j'ai un stylo, hein, cette fois-ci, ça s'oublie plus. Alors attends voir, je peux peut-être sortir le truc avec le machin du stylo là. Oh génial, par contre pour le remettre ça va être galère. Super super, alors dis-moi tout. Oh c'est tout petit, ah oh, c'est mignon. Le dernier qui est passé là remonte à environ 2 mois et 5 jours. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Make up and in the land of come my sign. Stay fish in the hot in the name. That's what softy all the rock and yum. Putain, je vais galérer à le remettre dedans. Bon, ça va, si je m'y prends bien, je devrais réussir. Non, parce qu'il faut pas oublier que quand c'est des petites caches, pour remettre le papier dedans, faut pas négliger quoi, parce que le suivant il va sortir ça, il va y avoir des confettis. Hein. Ok, bah du coup, je sais, à mon avis, j'ai l'impression que c'est une cartouche de. Un capuchon de feutre. Hein, ça y ressemble, hein. On a le bout plastique, la taille. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est. Ouais, ça doit être un capuchon de quelque chose, de feutre, je pense. Attention, si j'ai de l'habilité. Merde, non, ça rentre pas. Non. Oh non, t'es sérieux. Voilà, normalement là maintenant ça va être bon. Et voilà. Et grâce au système qu'il y a derrière, le petit machin bleu, ça permet aussi d'enfoncer un peu plus profond le papier, mais voilà. Maintenant c'est prêt, je peux aller la remettre. Par contre, pour le plier, je peux rien faire, je suis désolé. Voilà. Bon, et eh bien voilà qui est fait. Une de plus.
On se retrouve très prochainement pour le 10e épisode Geocaching. Déjà 10, vous vous rendez compte? Ça file vite hein, quand même. D'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on n'aurait pas qu'on fasse. Et ciao tout le monde. J'ai un peu hésité hein, pour le dire.